J'aperçois que j'ai oublié une chose importante à dire concernant la question du sionisme et de son rapport avec le judaïsme. Parce que c'est ça qui m'a vraiment le plus choqué dans cette affaire. C'est-à-dire que on a comme l'impression que de la part de la communauté juive, c'est-à-dire à la fois l'institution laïque, le consistoire israélite du Bas-Rhin, mais aussi les rabbins, donc ça c'est la partie religieuse, on a l'impression que le judaïsme se transforme en une religion sioniste. Et ils se rendent, alors je ne sais pas, est-ce qu'ils se rendent compte ou pas du danger que représente le fait d'organiser une conférence pour soutenir Tsahal en prétendant que c'est une armée morale. Imaginez un peu les gens, peut-être pas très cultivés, connaissant pas bien l'histoire, qu'est-ce qu'ils peuvent conclure sinon que les juifs, ici à Strasbourg, soutiennent une bande d'assassins qui s'appelle le gouvernement israélien. Et à partir de là, on imagine facilement que cette attitude que a la communauté juive, les laïcs comme les religieux, ne peut produire que de l'antisémitisme. C'est-à-dire que c'est une espèce de suicide qu'ils proposent à la communauté juive, non seulement ici, mais là-bas aussi. Moi, j'accuse le gouvernement de Netanyahou, tous les gouvernements depuis la Narba en 1948, et j'accuse le CRIF et toutes les organisations qui gravitent autour de CRIF d'être responsables d'un renouveau de l'antisémitisme dans notre pays par la confusion voulue entre sionistes, religieux, israéliens, etc. Alors il faut se rappeler qu'on peut être juif ici, comme nous, entre autres, à l'Union juive française pour la paix, on est laïque, on n'est pas religieux, et on n'est surtout pas sioniste, on est même anti-sioniste. Mais ces manœuvres de la communauté juive, des laïcs comme des religieux, font que, y compris nous-mêmes, qui sommes des anti-sionistes, nous pouvons être percutés par des attaques antisémites. Et je pense qu'il y a une espèce d'irresponsabilité totale du CRIF en France et des gens qui logent là-haut, le CRIF justement, et de toutes les associations, mais également des rabbins qui, effectivement, isolent d'une certaine façon les juifs de France, et c'est pareil en Europe, et c'est pareil aux États-Unis, les isolent de la population globale en faisant passer ces juifs pour nécessairement des suppôts de l'armée israélienne. Eh bien, je le déclare ici, au nom de tous nos camarades, que ce soit ceux des jeunesses communistes, que je remercie d'ailleurs au passage de leur présence, et que ce soit les juifs et les juifs qui sont ici, et tous les autres, eh bien non, nous sommes des anti-sionistes, et il n'y a aucune confusion à avoir entre anti-sionisme et antisémitisme, comme le voulait M. Valls avant sa chute, que j'espère finale. Merci.